Hello, televiewers, and happy week starts from us at My Media Prime Television. You're on to The Brief, your favorite bilingual program dedicated to the review of newspaper headlines in Cameroon. On today's edition of the program, most of the newspapers, especially the English language newspapers, focus on the troubles or the power wrangle at the helm of the Social Democratic Front Party, the SDF. We are talking about Honorable Ninchu, Jean-Michel, and the first vice national chairman of the Social Democratic Front Party, Honorable O.C. Joshua, yesterday, as relayed by the newspaper. There was an executive meeting of the Littoral Regional Bureau, which took certain decisions regarding Honorable O.C. Joshua, as you'll be discovering in the papers in the minutes ahead. Audrey Zagza is around, as usual, to read the headlines to you in the French language. Bonjour, Audrey. Bonjour à toi, Lacha Kingsley. And tu as oublié de mentionner, n'est-ce pas, ce triste événement sur The poor Eric King, the mayor of Njombe Penja, who doubles as the promoter of School TV Africa. He died this morning at about 5 a.m. as we are told. We shall equally be talking about that, Audrey Zagza. Voilà. Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Merci une fois de plus de nous retrouver pour la revue de presse. Hein. Ce matin, donc, les journaux se sont focalisés, en tout cas les journaux francophones, se sont focalisés sur le remplacement du professeur Messanga Niamding à Lyrique. Également, ces journaux parlent ce matin de cette crise dans le SDF. Et donc, débutons tout de suite avec le journal Capitaux Publics Cameroun Tribune qui fait savoir que le futur centre d'accueil des ex-combattants séparatistes en cours de construction à Tiko et dont la première pierre a été posée samedi coûtera à terme 1,5 milliard de francs CFA. L'infrastructure va accueillir 300 personnes et leur offrir des formations dans les domaines aussi variés que l'agriculture, l'élevage, la couture ou encore l'informatique. C'est ce que commente Cameroun Tribune ce matin. Poursuivons avec cet autre journal. Les Singang, la succession de Paul Biya qui semble, n'est-ce pas, au sommet de l'État, qui semble préoccuper les confrères de Essingan. D'après ce qu'on peut lire, ce lundi, la partie septentrionale du Cameroun est disposée à choisir un successeur de Paul Biya venant du Grand Nord. Parlons d'une autre actualité, le messager constate que c'est par un arrêté non motivé que le biaïste et enseignant a été destitué de ses responsabilités de chef de département de l'intégration et de la coopération pour le développement à Lyrique dont on parle du professeur Messanga Niamding, ce qui amène justement le journal à se demander si ce n'est véritablement pas un rouleau compresseur comme lui-même il a dit après ce limogeage. Poursuivons et terminons avec l'entrepreneur qui parle du SDF, les incohérences de l'honorable Ninche, ça c'est d'après l'entrepreneur, alors que le Cameroun amorce un tournant décisif de son histoire politique. On s'attendait à ce que le parti de Ni John Fondi s'organise pour affronter les échéances à venir, notamment celle de 2025. On est plutôt surpris de voir l'honorable Ninche, député du Wuri-Est, se livrer des incohérences dans son raisonnement contre son camarade de lutte, l'honorable Joshua aussi. Qu'est-ce qui justifie donc cette cabale au moment où le chairman se prépare à déposer son tablier? C'est dans les pages 9, 10 que vous retrouverez cette information dans Entrepreneur, Madame, Messieurs. C'est tout pour les tabliers dans la langue française. Place au tablier dans la langue anglaise avec toi, la chacun. Merci, Audrey Zagza. Let's kickstart this morning with the Post newspaper. The Post newspaper this morning, of course, is interested in the fight or the strike action staged by DDR ex-combatants in Boya, southwest region of Cameroon. According to the paper, DDR see Boya ex-combatant accost government again over failed promises.
the ex-combatants, according to the paper, regional officials alongside administrators of the disarmament, demobilization and reintegration center in Buya were on March 19 and 20 again given another run for government unfulfilled promises to the ex-AMBER fighters that have so far largely remained exclusive. And according to the paper, the ex-separatist fighters in Buya during their march on 19 of this month staged a strike action, and were told that they will be visited by the national coordinator of the Centers for Disarmament and Demobilization in Buya, as well as the national coordinator Fai Yengo Francis. More details of that strike and the visit of the national coordinator of disarmament and demobilization and reintegration center in Cameroon, Fai Yengo Francis, all in this edition of the Post newspaper. We move on to the Sun newspaper. The Sun newspaper this morning took interest in the SZF, that is boiling SZF boys. Ninja Des Neck pushes SZF literal exco to slam Article 8.2 on Honorable Joshua Osi, and party stewards say lower organ can't handle matter already laid to rest by the National Executive Committee. Why Ninche's, according to the paper, why Ninche's shady deals, accusations against OC may land him in trouble. You can get the details of the analysis of the Sun newspaper on why Ninche's shady deals, accusations against OC Joshua may land him in trouble, only on page 6 of this edition of the newspaper. And two dead, many injured, and countless property destroyed as mad cement truck bashes through Linde. More details on page 4 of this edition of the Sun newspaper. And let's move on to talk about what is happening at the Cameroon Development Corporation, CDC, the second employer after the States of Cameroon. According to the Sun newspaper, CDC needs CFA 23 billion to stabilize. This revelation was made known by the general manager of that corporation, where he told union executives recently that the corporation needs at least 23 billion francs CFA to stabilize. More details in this edition of the paper. We end with the Median newspaper. The Median, not only we still have the Guardian Post. The Median newspaper this morning is revisiting the elections at the lower and upper houses of parliament. And according to the paper, Paul Biya ignores popular clamor. The president of the Republic, Paul Biya, made means meet of bookmakers' predictions when he reneged on his pledge to ensure generational transition in national leadership, preferring instead to maintain the old guard and the hope of the youths to rise and crowd the top has once again been dashed away, according to the paper. More details on page 3 of the Median newspaper, only in this edition of the Median newspaper. And the Cameroon Tribune, or the National, or the English, Loon English Daily, the Guardian Post newspaper this morning is focusing on what the paper terms the old young governing Cameroon. Those are some of the faces, according to the paper, who are governing Cameroon. We have President of the Republic, Paul Biya, Senator V.E. Mokete, who is the eldest senator in Cameroon. He is also on the list of those governing the country. The Delegate General for National Security, Senate President, and the House Speaker of the National Assembly, Kavayege Jibril, are some of the faces that the newspaper captured this morning, talking about what the paper terms the old young governing Cameroon. And still in the paper, despite security challenges and COVID-19, African Development Bank upbeat about Cameroon's economy recovery. The African Development Bank, ADB, is upbeat about Cameroon's economy as a recovery despite security challenges in country.
end the global pandemic or the shock of COVID-19 through hygiene recovery on the availability of the virus or the coronavirus vaccine. The African Development Bank notes that this year Cameroon could resume the pre-pandemic growth. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. We are back in the studio to proceed with the discussion, Audrey Zaxa. Nous recevons Madame Yembel Emily du PCRN. Bonjour à vous, Madame. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Audrey. Bonjour, Lacha. Je voudrais déjà m'incliner devant nos camarades décédés cette semaine. Je souhaite des sincères condoléances à leur famille et je voudrais aussi, apprécier le travail qui est fait au niveau de Yaoundé, parce que là-bas, cette semaine, nous avons eu notre délégation permanente qui a formé des cadres du parti. Okay. Et ce genre de formation va s'étendre dans toute la République du Cameroun, parce qu'au PCR, nous formons les cadres pour mieux affronter la politique. D'accord. Alors, j'ai envie qu'on commence par ce contraste de titre entre The Post Newspaper et le journal à capitaux public Cameroun Tribune. Pendant que The Post Newspaper parle, n'est-ce pas, du fait que des ex-combattants étaient dans les rues, je crois que c'était le 19 mars, pour réclamer un certain nombre de choses qui leur avaient été promises par le gouvernement, mais qui n'a pas été réalisé. Et Cameroun Tribune, pour sa part, parle d'un autre centre qui va être, n'est-ce pas, créé. On parle d'un million, 1,5 milliard, je ne sais pas si c'est 5 millions ou 5 milliards de francs CFA qui sera déboursé pour créer un autre centre. Qu'est-ce qu'on peut, justement, qu'est-ce qu'on peut entendre par ces deux informations-là? D'un côté, on a un centre qui est déjà créé, il y a déjà des ex-combattants là, mais apparemment les promesses qui leur ont été faites n'ont pas été réalisées. Mais d'un autre côté, on a un autre centre qui est en train d'être... It's the same center, they will move it from Boya to Tiku. Tiku is just a few kilometers away from Boya. That's where the real center, DDR Boya, will be constructed. D'accord. Ok, mais bon, c'est toujours, yeah, quelque part, c'est toujours la même chose. Est-ce, yeah, que finalement, ces centres-là qui sont créés, le but c'est quoi si les ex-combattants réclament toujours un certain nombre... Ils veulent quitter le centre et au même moment veulent plutôt construire. En fait, c'est, comment je vais dire, c'est comme ça que le Cameroun est gouverné. C'est exactement ça le Cameroun. C'est-à-dire, vous avez un centre qui est créé, qui ne remplit pas déjà les conditions, parce que ceux qui sont dans ces centres-là se plaignent du fait qu'ils n'ont parfois pas à manger, les promesses tenues ne sont pas respectées, et directement vous annonce qu'il y a un autre centre qui va être créé, même si c'est pour transporter le centre de Atiku, je ne sais pas trop, c'est quand même, je ne sais pas, on a l'impression que ceux qui nous gouvernent là prennent les Camerounais pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Donc ils créent à chaque moment des moyens pour consommer le budget et s'enrichir, c'est-à-dire se bourrer les poches. Et l'argent pour lequel on demande de s'occuper des ex-combattants, de les intégrer dans la société, ils prennent, ils organisent, je ne sais pas moi, la création d'un autre centre ailleurs, et puis ils viennent nous dire que voilà, il faut plutôt transférer le centre. Quand ils vont transférer ce centre ailleurs, est-ce que là-bas, les ex-combattants auront ce pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils seront bien entretenus? Est-ce qu'ils seront intégrés? Non, il n'est pas question de créer un autre centre ou alors de transférer un autre centre. Il est question de s'occuper des ex-combattants qui sont sortis de la brousse, qui vivaient bien. Moi, je vais dire qu'ils vivaient bien en brousse. Many Cameroonians are asking, with the kind of mentality and the kind of action that we've seen these guys protesting, they still have criminal records, but they still storm the streets protesting. Do you really think they are prepared, they are ready to be integrated or incorporated into the society or civilian life with that kind of mentality which appears to be criminal? Monsieur Lacha, ils peuvent très bien être intégrés dans la société si et seulement si les promesses qu'on a faites à ces jeunes, là sont respectées, parce qu'ils ont décidé d'eux-mêmes de quitter. Le président a dit sortez de la brousse.
vous entrez dans les centres DBR, nous allons vous former et en plus, nous allons vous transformer. Regarde la manière qu'ils se comportent. Est-ce qu'ils sont transformés? Leurs mentalités sont déjà transformées pour qu'ils deviennent les civils? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Déjà, le centre DBR, ça existe. Ce n'est pas une particularité camerounaise. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on vous demande de sortir de la brousse et que vous décidez vous-même de déposer les armes pour rentrer dans les centres DBR, vous attendez à ce que les promesses qu'on vous fait soient respectées. Maintenant, si ces promesses-là ne sont pas faites, au lieu de vous faire changer de mentalité, vous redevenez encore plus méchant, parce que on vous a fait des promesses, on ne vous les donne pas, mais vous voyez comment les autres personnes qui s'occupent de ça sont bien encadrées, sont bien nourries. Quand ils viennent vous voir, ils sont encadrés par les militaires, la police, et vous n'arrivez même pas à manger. Donc du coup c'est un problème psychologique. Vous dites, mais non, je préfère rentrer en brousse, kidnapper des gens où je recevais de l'argent et vivre ma vie, que de rester dans un centre où on m'a promis des choses. L'autre a même dit dans une interview que better we go to where our various places. Oui, places. Tout à fait, c'est psychologique. On me demande de déposer mon arme. Je suis en guerre, on me demande de déposer l'arme. On me dit, ok, bien que vous allez intégrer le centre, vous faites un an, et puis on vous remet dans la société, peut-être en vous donnant de l'argent pour eux. With that kind of mentality they have, if the government releases them to their various towns and whatever, are you sure they are going to act like civilians, they are going to behave like people who respect the law? Oui, si et seulement si on respecte les promesses faites. Parce que quand on te demande de rentrer dans un centre DDR, on te dit quand même que je crois qu'il y a des promesses du genre où dès que vous êtes formé, peut-être dans l'agriculture, on vous remet une certaine somme pour on vous donne des terres pour cultiver ce que vous voulez cultiver. Quand vous êtes occupé à cultiver, à aller au champ, à regarder comment votre activité progresse, vous n'avez pas le temps de rentrer dans la brousse, ou alors vous n'avez pas le temps de réfléchir à ce qui est mauvais. Mais quand vous n'avez rien à faire, parce que ces jeunes sont quand même entrés en brousse à un moment parce qu'ils n'avaient rien à faire, ils étaient laissés à eux-mêmes. Donc quand vous n'avez rien à faire, vous avez toutes sortes d'idées qui vous passent par la tête. Donc si le gouvernement tient les promesses faites à ces jeunes-là, je pense qu'ils peuvent très bien intégrer la société et puis être des modèles pour la société. D'accord. Lacha Kingsley, j'ai envie qu'on se focalise sur le journal des Median, des Median Newspaper, qui nous présente une image assez chrétienne. Voilà. C'est des Median? Non, c'est pas des Median. The Sun Newspaper. Où il y a les... Talking about Ninche, c'est de Ninche. Let's look at what is happening. We'll come back to what you are talking about, Audrey Zaza. Okay. Meantime, let's now focus on the war at the helm of the Social Democratic Front Party, SDA. Ninche, Cameroonians are wondering, Ninche is like, the MRC type, and some are labeling OC Joshua CBDM. Who's to take over, at the helm of the Social Democratic Front Party? Who is the best choice, according to you? We've seen the national chairman announcing that he will not be standing in the next convention, which means that it is open for people to campaign and take over the leadership of the Social Democratic Forum. But many people are saying that Ninche, if he takes the party, he will destroy it. Others are saying if OC Joshua takes the party, he too is equally going to destroy the party. Monsieur Lacha, déjà en tant que représentante du PCRN, nous au PCRN, nous ne commentons pas des affaires internes d'un autre parti politique. Mais en tant que personne qui regarde la scène politique et ce qui se passe au SDF, je ne peux que être un peu déçue, c'est-à-dire je ne peux que regretter tout ce cinéma que ces deux classiques du SDF nous montre sur la scène publique. Effectivement, le chairman a annoncé le 11 février qu'il n'allait plus se représenter à aucune élection présidentielle au Cameroun. Et il s'est avéré que, avec le temps, deux camps sont en train de se former.
C'est l'impression qu'on a de l'extérieur. On a l'impression que deux camps sont en train de se former. Il y a d'un côté le député Ninche et d'un côté, de l'autre côté le député Oshi qui est modéré, républicain, et on le taxe vraiment d'être très proche du pouvoir. Et de l'autre côté, on a le député Ninche qui est un peu fougueux et un peu très rapproché du MRC, parce que nous avons vu des photos défiler sur le net. Il était avec les gens de la base à un moment donné en Europe. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis que même si le chairman, qui est même toujours là, ne se représente pas, il n'y a pas que ces deux-là qui peuvent diriger le SDF. On a dans l'ombre des gens comme Wirba. On a des gens comme Baya qui peuvent très bien diriger ce parti. Donc, il n'est pas question de faire un choix. Dans un parti politique, quand celui qui était président décide de ne plus se présenter, il y a que les protagonistes devraient, en principe, chacun présenter un projet de société à la base, défendre ce projet de société. Et lors d'un congrès, les militants de la base élisent celui qui normalement is worrying Cameroonian. How possible is it for a regional president or regional president of an organ of a party sanction the second in command of a party? How is that possible? Comment c'est possible que quelqu'un qui est, je ne sais pas, en bas de la région. Yes, oui, il est le président régional de la région du. Il est président de la région du littoral. Il y a son vice-président, Joshua Oshi. Et lui, il décide avec la région du littoral d'organiser une réunion qui sanctionne le vice-président. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, les textes de leur parti. Il évoque, je crois, l'article 8.2. Je ne sais pas comment ça se passe, comment ça se fait, mais je crois que c'est le NEC qui est l'organe décisionnel du STF qui prend des décisions et elles sont appliquées. Je ne sais pas si le régional honorable Nietzsche peut destituer, comme il a publié, je ne sais pas si c'est un faux profil. The article shows that when you do things that goes against the norms of the party or anti-party practices, yeah, you are automatically excluding or dismissing yourself from the party. So Nietzsche just evoked, but the article 8.2 of the status of the Social Democratic Front Party. Oui, Nietzsche, l'honorable Nietzsche évoque cet article-là, mais est-ce que le NEC a déjà s'est déjà réuni pour approuver ce que l'honorable Nietzsche évoque comme article? Non, je pense qu'il faut attendre que le NEC, qui est l'organe décisionnel de ce parti, se réunisse pour décider. Et en plus, je pense aussi que le président Ni John Frodi a son mot à dire. Et de toutes les façons, ce qui se passe dans ce parti-là n'honore personne. Ça va plutôt encore. Même accuser aussi Joshua pour avoir aperçu l'argent. Oui, il a accusé, il faut bien qu'il apporte des preuves. L'honorable Ninche est aussi député depuis un bon bout de temps. Nous aimerions aussi qu'il nous montre son bilan par rapport au micro-projet. Donc, il n'est pas seulement question d'accuser son camarade. Il faut aussi être soi-même celui-là qui fait des choses pour le développement du pays. Donc, de toutes les façons, je dis, ce qui se passe au SDF n'honore personne. Il y aura juste des clans qui vont se composer et une fracture au niveau de ce parti-là. Donc, le président Frondi qui est encore là, et l'organe décisionnel du NEC devrait se pencher sur ce cas et prendre la bonne décision pour le bien du parti. Okay. D'accord, venons un peu des Guardian Posts. Je voulais justement qu'on essaye de voir des Guardian Posts qui dépeint une image du Cameroun qui est gouverné par young old un certain nombre de personnes vieilles. Oui, des vieilles personnes. Est-ce à dire que les jeunes n'ont pas finalement leur place
Oui, les vieilles personnes, moi je ne vais pas appeler ça comme ça parce que mon éducation me permet de respecter les vieilles personnes. Je vais juste dire des personnes qui ont tout donné hein, pour le pays et qui sont fatiguées, qui en principe devraient aller en retraite. Mais bon, le président Paul Biya est le seul à savoir pourquoi il maintient ces personnes autour de lui. Parce que quand il regarde quand même son parti là, il se dit qu'il vaut mieux être avec mon dernier carré, des personnes qui me sont fidèles, que de mettre des gens que je ne maîtrise pas trop. Mais les gens ne devraient pas baisser les bras et se dire que comme le président maintient les vieilles personnes, ils ne pourront rien faire, non. Les jeunes devraient prouver par le travail. Oui, on voit très bien ça. Voilà, on voit très bien ça dans notre parti. Donc les jeunes devraient se battre, ils devraient travailler. Donc c'est les jeunes qui sont paresseux au Cameroun qui ne peuvent pas travailler. Non, c'est pas une histoire. Ils ne sont pas courageux. C'est pas une histoire de que les jeunes ne sont pas courageux. Je sais pas, c'est une histoire de que le gouvernement ou alors Paul Biya et sa clique ne va pas venir dire aux jeunes que c'est la transition générationnelle. Prenez le pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Cabral et Bipo, pourquoi pas les autres? Non, les jeunes doivent s'impliquer. Dans le RDPC, je parle des RDPC. Dans le RDPC, les jeunes qui sont là-bas doivent se battre pour occuper les places. Et les jeunes qui ne sont pas du RDPC, qui sont dans d'autres partis, devraient s'impliquer en politique, s'inscrire massivement sur les listes électorales, aller voter et suivre leur vote. C'est comme ça que nous pouvons prendre le pouvoir. Okay. Après, vous le voyez avec le PCRN, on a quand même eu des maires, on a eu des conseillers municipaux, on a eu des députés. On invite donc les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Nous pourrons très bien prendre ce pouvoir. Voilà, merci Madame Yembel. Et c'est sur ces paroles que nous clôturons l'édition de ce jour. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés pour Monsieur My Media Prime TV. Thank you for watching Teleview as the program was produced by Christian Tebong. For presentation, we've been Audrey Zags and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. Bye. Merci.